Hello les gourmandes et les gourmands. Aujourd'hui, je propose de réaliser une soupe feu, mais version express, parce que je sais que certains d'entre vous peuvent être démotivés par la recette tradie qui demande 7 heures de cuisson minimum. Là, je vous propose de faire version express, c'est-à-dire en 30 minutes. Comme ça, vous pouvez faire des soupes feu maison quand vous souhaitez, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, et je vais vous révéler mon petit ingrédient secret. On démarre avec le bouillon. On va prendre une grande marmite, on met 2,5 litres d'eau froide et on porte le tout à ébullition. Ensuite, on plonge 1 kg d'os de bœuf, ça peut être de l'os à moelle par exemple. C'est cette étape qui va donner ce goût très profond et réconfortant à notre soupe. Et pendant ce temps, on va peler et couper un oignon en deux et hop, dans le bouillon. C'est tout. Maintenant, on va ajouter du gingembre frais, pas besoin de l'éplucher, juste bien lavé. Et nos petites épices comme de l'anis étoilé et un bâton de cannelle. Et alors, mon petit ingrédient secret pour réaliser un feu express, c'est ces fameux cubes de bouillon feu qu'on trouve dans tous les supermarchés asiatiques. C'est quand même très pratique puisqu'il suffit juste de mettre de l'eau et ces petits cubes, un peu comme un petit fond de volaille qu'on achète ou un fond de veau ou un fond de bœuf ou un fond végétarien. Voilà, ça c'est nos fameux petits cubes qui permettent de réaliser un bouillon feu express. Et là, on a tous les marqueurs de la soupe feu avec tous les épices, la cannelle, l'anis étoilé, les clous de girofle, etc. etc. Il ne reste plus qu'à assaisonner avec 3 cuillères à soupe de sauce de poisson, ça va vraiment rehausser toutes les saveurs. Ensuite, on plonge une belle pièce de bœuf comme du faux filet qui va doucement cuire et donner encore plus de profondeur à notre bouillon. Et on laisse tout ça mijoter à feu moyen doux pendant 30 minutes. Et là, petit conseil de maman, de temps en temps, surveillez bien l'écume qui va se former à la surface et retirez-la régulièrement pour garder le bouillon bien clair. Ça, c'est le petit secret d'un feu réussi. Pendant que ça mijote, on va émincer nos herbes fraîches, comme de la ciboulette ou de la cébette ou encore de la coriandre. Et après les 30 minutes, on retire notre morceau de bœuf pour le trancher finement. Et on réserve. Et maintenant, il ne reste plus qu'à cuire les vermicelles dans de l'eau frémissante pendant 5 minutes, pas plus. On égoutte et c'est prêt à dresser. Donc dans un grand bol, on dépose les vermicelles de riz, quelques tranches de bœuf, puis on arrose généreusement avec le bouillon bien parfumé. Et pour finir, une petite poignée de pousses de soja et nos herbes fraîches par-dessus. Et voilà, il ne reste plus qu'à savourer ce feu maison qui a été fait avec amour. Alors vous avez vu, ce petit cube est juste magique. En 30 minutes, on a une bonne soupe feu maison. Si jamais vous voulez faire dans les règles de l'art, bien évidemment, vous pouvez retrouver ma recette tradie qui s'affiche en haut de l'écran. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a convaincu de faire une soupe feu maison tous les jours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me poser toutes les questions en commentaire et je vous dis à très vite pour d'autres recettes de ma petite maman.